Enfin une belle photo de guerre. C'est l'autre côté de la guerre, et c'est émouvant. Le cœur d'un soldat, voilà ce qui devrait faire les manchettes au lieu de tout ce qu'on nous montre de peu d'importance. Cette histoire est dure, mais tellement réconfortante, quand on regarde cette photo de John Gebhard en Afghanistan. L'épouse de John Gebhard, Mindy, dit que la famille entière de cette petite fille a été exécutée. Les insurgés voulaient la tuer aussi, et lui ont tiré une balle dans la tête, mais heureusement ils ont raté leur coup et elle n'est pas morte. Elle fut soignée à l'hôpital de John, et est en voie de guérison même si elle pleure et se plaint. Les infirmières ont dit que John est le seul à pouvoir la calmer, alors John a passé les 4 dernières nuits à la tenir dans ses bras, et les deux dorment sur cette chaise. La petite se remet lentement. John est un véritable héros de la guerre, et il représente ce que l'Occident tente de faire là-bas. Ça, mes amis, ça vaut la peine d'être partagé avec le reste du monde entier. Allez-y. Vous ne verrez jamais une telle chose dans les nouvelles. Gardez la nouvelle en marche. Rien n'arrivera si vous ne le faites pas, mais le monde a besoin de voir des photos, comme celle-ci a besoin de réaliser que nous faisons la différence, même si c'est qu'une petite fille. Faites-lui faire le tour de la Terre.